La Ligue 1 abrite une pléthore de joueurs très doués. Si la Ligue est reconnue pour nourrir les nouveaux talents, elle compte également un certain nombre de joueurs de classe mondiale. La plupart de ces talents sont bien rémunérés, comme on peut s'y attendre. Certains des footballeurs les plus riches de la Ligue 1 sont également considérés comme des vedettes mondiales. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 joueurs les plus riches de la Ligue 1. Petite question avant de commencer. Parmi ces 3 joueurs sur la photo, qui est le joueur le plus riche de la Ligue 1? Nous attendons vos réponses en commentaire. On commence. 10. Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe est au PSG depuis le début de sa carrière, il a eu plusieurs contrats au club. Mais le dernier contrat que le défenseur français a signé avec le PSG en 2020, fait de lui l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Ce contrat vaut environ 11 millions d'euros par an. Ce qui correspond à un salaire hebdomadaire d'environ 212 000 euros. Presnel Kimpembe fait partie des défenseurs les mieux payés au monde. 9. Gianluigi Donnarumma. Largement considéré comme le successeur de la légende des gardiens de but Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma a déjà commencé à répondre aux attentes à un jeune âge. À 22 ans, l'expérience de Donnarumma est énorme. Le gardien de but italien a joué plus de 250 matchs toutes compétitions confondues au niveau du club. Le seul inconvénient de sa carrière jusqu'à présent est le nombre de trophées. Donnarumma au PSG gagne la même somme d'argent que Keylor Navas, soit environ 12 millions d'euros de salaire annuel. Cela représente environ 230 000 euros de salaire hebdomadaire, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus riches de la Ligue 1. 8. Keylor Navas. L'Amérique du Sud sait comment produire des gardiens de but de grande qualité, et Keylor Navas ne fait pas exception. Légende absolue parmi ses compatriotes ainsi que les fans du Real Madrid, Navas était l'un des piliers de l'équipe du Real Madrid qui a remporté 3 titres consécutifs en Ligue des Champions. Cependant, après l'arrivée de Thibaut Courtois, le gardien costaricien a été écarté du Real Madrid et a décidé de rejoindre le PSG. Comme nous l'avons dit précédemment, le contrat de Navas est le même que celui de Donnarumma, mais il court jusqu'à la fin de 2024. En fait, il a signé sa dernière prolongation de contrat très récemment. Tout comme Donnarumma, Keylor Navas gagne environ 12 millions d'euros par an, avec un salaire hebdomadaire d'environ 230 000 euros. On s'attend à ce qu'il cède lentement sa place à Donnarumma, beaucoup plus jeune, mais comme tout champion, dont Navas fait partie, il ne cédera pas sa place sans se battre. 7. Angel Di Maria. Comme numéro 7 de cette liste, nous avons un autre ancien joueur du Real Madrid, le talentueux Di Maria. Angel Di Maria profite de sa 7e saison au PSG. L'ex-pensionnaire de Manchester United, son transfert fait au PSG a été l'un des transferts les plus chers de l'histoire de la Ligue 1. Di Maria est un autre joueur du PSG qui a prolongé son contrat plus tôt cette année. Son nouveau contrat, qui court jusqu'à la fin de cette saison avec une option pour une année supplémentaire, permet à l'Argentin de gagner 14 millions d'euros par an, soit près de 270 000 euros par semaine. Un montant très élevé qui semble raisonnable compte tenu du calibre du joueur Di Maria. À 33 ans, ce sera probablement le dernier gros contrat de Di Maria avant qu'il ne raccroche les crampons. Mais pour l'instant, Angel Di Maria est l'un des joueurs les plus riches de la Ligue 1. 6. Marco Verratti. Le prochain à apparaître dans notre liste est le champion d'Europe Marco Verratti. Il détient le record de 7 trophées de champion en Ligue 1 avec le PSG. Avec 27 trophées au total remportés sous les couleurs du PSG, Verratti est certainement l'un des meilleurs joueurs que le championnat français et le PSG aient connu. Les propriétaires du PSG savent que pour atteindre leurs grandes ambitions de remporter la Ligue des Champions, ils doivent garder des joueurs comme Marco Verratti, ce qui explique pourquoi il a été constamment récompensé par des contrats améliorés depuis son arrivée au club en 2012. Le milieu de terrain italien gagne un peu plus qu'Angel Di Maria avec 15 millions d'euros de salaire annuel, soit 288 000 euros par semaine, ce qui est nettement plus élevé que la plupart des salaires des joueurs de Ligue 1. 5. Marquinhos. Le capitaine du club a fait preuve d'une grande maturité et de qualité de leadership dès son plus jeune âge. Marquinhos est l'un des défenseurs centraux les plus redoutables du monde actuellement et il ne cesse de s'améliorer saison après saison. En plus de protéger la défense du PSG, le Brésilien a également été très utile en marquant des buts dans les moments cruciaux.
L'âge, jouant en sa faveur, le stoppeur de 27 ans semble avoir une longue carrière devant lui. Il a déjà entamé sa 9e saison avec le club de Ligue 1 et on s'attend à ce qu'il y reste jusqu'à ce qu'il raccroche les crampons. En ce qui concerne son salaire, le Brésilien est plus que compensé avec un salaire annuel de 15 millions d'euros qui correspond approximativement à 288 000 euros de salaire hebdomadaire. 4. Sergio Ramos. En termes de ce qu'il a fait sur le terrain, il n'y a qu'une poignée de joueurs dans l'histoire qui pourraient égaler les réalisations du puissant Sergio Ramos en tant que footballeur. Le PSG a obtenu Sergio Ramos gratuitement, l'ancien capitaine des Blancos étant en fin de contrat avec le Real Madrid. Cependant, le club de Ligue 1 n'a pas hésité à offrir aux vétérans une belle somme sous forme de salaire. Cela inclut le paiement d'une somme importante pour un défenseur de 35 ans, à la fois en frais de signature et en salaire. Le salaire hebdomadaire de Sergio Ramos est d'environ 405 000 euros par semaine, ce qui est effrayant comparé aux salaires habituels des joueurs de Ligue 1, mais s'il y a un joueur de 35 ans qui a gagné ce genre de salaire, c'est bien Sergio Ramos. Le salaire annuel de Ramos s'élève à environ 21 millions d'euros, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus riches de Ligue 1. 3. Kylian Mbappé. Né et élevé à Paris, il a commencé sa carrière à Monaco et a remporté la Ligue 1 à 17 ans, mais il est vite revenu à Paris pour rejoindre le PSG en 2017, dans ce qui était l'un des transferts le plus cher de l'histoire du football. Kylian Mbappé est l'un des joueurs les plus riches de Ligue 1. Il gagne environ 25 millions d'euros par an, et il est prêt à gagner davantage s'il va au Real Madrid, ou même s'il décide de prolonger son contrat avec le PSG. Il semble qu'au moins pour l'instant, l'attaquant français a choisi d'aller jusqu'au bout de son contrat et de voir quel impact aura le séjour de Léo Messi au club. S'ils parviennent à remporter la Ligue des Champions, il y a de fortes chances que Mbappé prolonge son contrat avec le PSG et reste l'un des joueurs les mieux payés et les plus riches de Ligue 1. 2. Neymar Jr. Neymar, qui est arrivé au PSG en provenance du FC Barcelone en 2017 dans une saga de transfert controversée, a fait de la superstar brésilienne l'un des joueurs les plus chers de tous les temps. Il a signé avec le PSG un énorme contrat d'une valeur de 222 millions d'euros. Neymar a renouvelé son contrat avec le PSG jusqu'à l'été 2025 avec une année supplémentaire en option, si Neymar décide de rester. Ce contrat prévoit que le Brésilien gagne environ 36,8 millions d'euros de salaire annuel, soit près de 710 000 euros par semaine. En plus de divers bonus, dont un énorme bonus au cas où le PSG gagne la Ligue des Champions. Neymar ayant déjà 29 ans et son contrat courant jusqu'en 2025, il semble qu'il ait dédié le reste de sa carrière au PSG et que ce soit très probablement son dernier gros contrat. 1. Lionel Messi. Le génie argentin du football a joué pour les Blaugrana de l'âge de 13 à 34 ans. Une histoire d'amour de 21 ans qui a malheureusement pris fin en raison des problèmes financiers du FC Barcelone, qui a laissé le club endetté de 1,6 milliard d'euros. Au cours de ces 21 années, Messi a remporté un nombre sans précédent de 38 trophées, dont 35 avec le FC Barcelone. Il a fait de Barcelone une force sur laquelle il fallait compter et a pulvérisé tous les records de la Liga, mais la plupart des fans de football le savent déjà. Le salaire annuel de Messi au PSG est de 41 millions d'euros, plus un énorme bonus si le PSG parvient à remporter la Ligue des Champions. Avec le recul, le PSG semble être le club parfait pour Lionel Messi, car il est entouré de ses compatriotes et de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone. À présent, vous connaissez les joueurs les plus riches du championnat français. Dites-nous en commentaire le joueur qui vous marque le plus. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. À bientôt.